Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un djihadiste. Le prophète est venu tuer les gens. Est-ce qu'il y a un livre qui est plus terroriste que la Bible? Il faut nous prendre le nombre 31, verset 17. On va expliquer le terrorisme dans la Bible. On va voir ceux qui tuent les gens aujourd'hui. Nombre 31, le verset 17. Eh bien, maintenant, tuez tous les garçons et toutes les femmes et toutes les femmes qui ont été mariées, mais vous pouvez garder pour vous-même toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Nombre 31, verset 17. Je prends dans la version Louis II. Nombre 31, verset 17. Je lis. Voilà. Nombre 31. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Verset 18. Voilà. Maintenant, je peux aller prendre maintenant 1 Samuel 15, verset 3. Oui, j'allais venir, allons-y. J'ajoute ça. Voilà. J'ai fini avec le nombre. Il y a plein de versets, on va citer 1 Samuel 15, verset 3. Voilà. Eh bien, maintenant, va les attaquer à cause de moi. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Allah Akbar. 1 Samuel 15, verset 3. Très bien. Allons-y. Là, il s'agit des personnes. Qui a ordonné ça? Vous dites que Jésus est Dieu, donc c'est Jésus qui a ordonné ça. Ça fait un. Il y a plein de versions, on va aller pas à pas. Et c'est Mohamed qui était là-bas. C'est Mohamed qui a ordonné ça dans la Bible. On dit pas de tuer les bébés. On dit de tuer. Quand il y a djihad là, on ne tue pas les animaux. Les animaux n'ont rien fait. Oh. On ne tue pas les bébés. Oh. Mais là, on dit de tuer les bébés. Ça dépasse bombe atomique. Hiroshima, là, ça dépasse ça. On dit de tuer les bœufs. Les bœufs, on fait quoi dans djihad? Les bœufs, ils sont là pour manger. Les bœufs, ils sont là pour travailler pour nous. On dit de tuer les brebis, les moutons. Il faut nous prendre Ézéchiel 9, verset 5 à 6. Ézéchiel 9, verset 5 à 6. Devoir à domicile, prenez notre coup biblique et coranique. Réponse aux ignorants qui ne croient pas à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ézéchiel 9, verset 6. Tuez. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Allahu Akbar. On ordonne ici de tuer. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens faisaient les batailles, on va expliquer les batailles du prophète et les gens seront contredits aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'on appelle la bataille de Badr. Ça se situe au puits de Badr. Ce n'est pas à la Mecque, ce n'est pas à Médine, c'est dans un endroit. Parce que le prophète dit de garder les synagogues des juifs, de ne pas faire du mal aux vieux, de ne pas faire du mal aux enfants. Mais ce verset est plus grave que la charia. On dit de tuer les bébés, de tuer les animaux. Le prophète n'a jamais ordonné ça. Ceux qui disent que le prophète est venu tuer les gens, ils ont oublié les guerres qui sont dans la Bible. Il faut nous prendre Josué 6, verset 20 à 21. Josué 6, verset 20 à 21. Prenez note. Vous allez comprendre. Josué 6. Verset 20 à 21. Je suis à la page. Le peuple, Josué 6, hein, Josué 6, verset 20 à 21. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'empara de la ville. Et ils dévouaient par interdit au fils de l'épée, au fil de l'épée. C'est-à-dire, ils dévouaient par l'interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville. Hommes ou femmes ou enfants ou vieillards ou jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Les bœufs ont fait quoi? C'est Mohamed qui a fait ça?
Faut leur demander si c'est Mohamed qui a fait ça. Répondez-nous, chers frères, chrétiens. Je vais dire quelque chose. Le mot épée est cité dans la Bible, tu sais combien de fois? 406 fois. Dis-moi. 406 fois. Anne demande une objection. Anne dit objection. Je vais finir. Le mot épée okay. est cité dans la Bible 406 fois. 406 fois. Le mot épée n'est pas cité dans le Coran une fois. Si tu vois ces versets-là, ils n'ont qu'à nous donner des versets qui sont comme ça dans le Coran où on dit de tuer les vieillards. Regarde le Coran. Pour prendre Sourate 4, verset 75. Sourate 4, verset 75. Tu vas voir la différence entre les deux. Allahu Akbar. Nous sommes à la page Sourate 4, le verset 75. Cours biblique et coranique, prenez note. Aziz Khan donne cours. Sourate 4, verset 75. Je suis à la page et je lis la parole. Sourate 4, verset 75. Allah dit ceci. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la oui. cause des faibles, hommes, oui. femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Allah oui. Akbar. Le but même des djihad au temps du prophète, c'était défensif. C'est pour garder les enfants, c'est pour garder les femmes, pour sauver leur dignité, leur honneur. Mais la Bible te dit de tuer les bébés, de tuer les enfants. Mais le Coran te dit, qu'est-ce que vous faites pour ne pas combattre, pour protéger vos familles, vos enfants, vos Allah bébés? Alors, il dit d'écraser la tête des bébés, de tuer les moutons et les bébés. Mais à faire quoi dedans? Et des ignorants non. comme ça, ils viennent sur la croix pour dire n'importe quoi sur l'islam en disant que Mohamed a tué. Djihad qui est dans la Bible, ça dépasse Boko Haram. Ça dépasse beaucoup non. Haram. Et il faut prendre Osée 13, verset 16. Osée 13, verset 16. Enseignement cadeau. Prenez note. Osée combien? 13, Osée 16. 13, verset 16. Osée chapitre 13, le verset 16. Je suis à la page. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Il tombera par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés. Et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Tu entends ça? Si quelqu'un lit la Bible, il peut lire ça. Il peut aller dire que Mohamed a tué les gens. Quand le prophète fait le djihad là, il y a bataille de Oud. Bataille de Oud, Cheikh Daouda. Bataille de Oud, c'est à côté d'une montagne. C'est à côté d'une montagne. C'est pas dans la ville. Le prophète, quand il veut combattre, il dit laissez les juifs, laissez les synagogues, ne faites pas du mal aux juifs, aux vieillards, musulmans comme juifs. Allez dans un coin, on s'en régler nos problèmes. C'était défensif. Mais là, on te dit de tuer les femmes enceintes, bébés, écraser les têtes et de tuer les femmes enceintes et de ventrer les ventres. C'est-à-dire, tu tues la femme et puis l'enfant qui est dans le ventre. Anne ne peut pas être d'accord avec ça. Même si tu es chrétienne, ma soeur, tu ne seras jamais d'accord avec ça, ma soeur Andy. Non, ce n'est pas possible que tu sois d'accord avec ça. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, pardon. À cause de Dieu, je n'ai pas fini. Et ça là, quand quelqu'un va lire ça... Anne, tu auras la parole, Inch'Allah. Si Anne dit que Jésus est Dieu, ou bien ce qui dit Jésus est Dieu là, qui a ordonné ça dans la Bible? C'est Jésus quoi? C'est Jésus qui a ordonné ça, parce qu'il est Dieu. C'est Jésus qui a ordonné ça. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon la Bible. Et maintenant, ils vont dire que c'est l'Ancien Testament. Il faut lire Luc 19, 27. Luc 19, 27. Aïe, 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 aïe. Ah, vous avez provoqué Aziz. Vous avez provoqué Aziz quand aujourd'hui, alors là, 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 là. Luc 19, verset 27, devoir à domicile, coup biblique et coranique, c'est parti. Luc 19, verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur, eux. Et tu es là à ma présence. C'est Jésus qui est en train de parler là. C'est là Dieu qui est en train de parler comme ça là. C'est un djihadiste. Faut le demander. C'est Jésus qui parle là. Il parle des épées, donc il est tué devant sa présence. Quel est ce djihadiste qui se retrouve dans le Nouveau Testament et qui se retrouve dans l'Ancien Testament? Il est quitté où? Et vous allez voir tous ces versets là, vous allez dire que Mohamed c'est un tueur. Alors que le prophète dit, quand tu veux tuer même un mouton, faut alléger, faut bien aiguiser le couteau. Ou bien, quand je fais l'affaire de Tabaski, l'affaire de Ramadan, il faut bien aiguiser le couteau. Exact. Mais les versets de la Bible, tu as problème avec l'homme,
On dit d'aller tuer les bébés, d'écraser les têtes et de tuer même les bœufs et puis les brebis. Faut lire 1 Chronique 20, verset 3. 1 Chronique 20, verset 3. 1 Chronique 20, verset 3, cours biblique et coranique. 1 Chronique, je suis à la page 1 Chronique 20, le verset 3. Je lis la parole. Il fit sortir les habitants et il les mit en pièces avec des sciés. Avec des sciés. Des scies. Des heures, avec des scies. Ah, scies, comme pour les menuisiers là. Avec des scies. Oui, oui. Heures et des fers. Non. Avec des scies heurtées, des fers et des haches. Hein? Et il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Comment on peut les Ils ont fait les dièses là. Ce n'est pas avec P, hein? C'est avec si. Avec si, ils ont fait. Les prophètes, ils faisaient avec arc, flèche. Mais ils font ainsi. Mais ça, c'est encore plus grave. C'est le cache-mâchoire. Il faut lire encore 1 Samuel. 6, verset 19. 1 Samuel 6, verset 19. Prenez note, vous pouvez regarder la rediffusion. 1 Samuel 9. 6. 1 Samuel 6, verset 19. 1 Samuel 6, 19. Vous pouvez regarder la rediffusion de l'émission sur YouTube. YouTube, c'est la chaîne de la DDR. Vous tapez la DDR, c'est YouTube, Inch'Allah. 1 Samuel 6, verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beersheba, de Beth-Shemesh. Lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel, il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation. Dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Qu'Allah me donne la compréhension. Donc, c'est pour démontrer à tout le monde, à toute la face du monde. Ils n'ont qu'à être partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On est prêt à faire ce débat-là. Le livre le plus terroriste au monde, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. Donc, le prophète n'a pas tué quiconque. Essayez d'étudier l'histoire du prophète, vous allez connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? C'est l'occasion de poser tes questions. Alors, moi, j'aimerais... Est-ce que tu peux me prendre un verset biblique, Oustaz? Matthieu 26. Oui. Verset 47 à 52. Oui, vas-y. Matthieu 26, 47 à 52. Verset 52. Alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est question. Une réponse. Jésus a dit à Pierre, remets ton épée. Donc, Jésus n'était pas pour la pour tuer. C'est ce verset qui m'est venu avant qu'on avait parlé d'épée. Andy, j'ai une question. J'ai une question. Oui. Dernier Ali, une dernière phrase. Il a dit quoi? Tous ceux qui prennent l'épée, ils vont faire quoi? Périront par l'épée. Ils vont périr par l'épée. Oh, mais si Jésus dit tous ceux qui prennent l'épée vont périr par l'épée. Mais pourquoi dans Luc 19, 27 encore, Jésus demande aux gens de prendre l'épée pour tuer ses ennemis? Oui, ben, ça je répondrai demain en commentaire parce que. Oui, là. Non, mais. Non, mais... Je pas... Ils vont prendre l'épée. N'oublie. Je me laisse. Ils vont prendre l'épée. Je ne me laisserai pas faire parce que c'est... Jésus n'a tué personne. Ça, c'est oui, clair, je te comprends. Je comprends. Je tous ceux, regardez. Tous ceux qui vont prendre l'épée, ils vont périr par l'épée. Faut relire Luc 19, 27. C'est ça. Relis. On n'a pas pu le prendre. Faut relire. Si, si, voilà. On l'a déjà dit. Luc 19, verset 27. Faut répéter. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, de répéter, Inch'Allah. Prenez note. Luc 19, verset 27. Luc chapitre 19, le verset 27. Je lis la parole. Voilà ce qui est écrit. Au reste, amenez-les ici. Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les à ma présence. Anne, c'est Jésus qui a dit, mais c'est qui? Mais c'est un djihadiste qui a dit. Qui a dit ça? C'est Jésus qui l'a dit. Mais il faut faire des recherches plus poussées. Ah,
Quand c'est lui, on fait des Mais richesses. Mais quand vous c'est pouvez pour me elle, dire. Je il n'y m'engage. a pas de souci. Merci. Quelqu'un qui m'a dit que. Tu peux prendre Luc 22, 36 à 38 pour moi, s'il te plaît. Concernant l'épée, Luc 22, 36 à 38. Et il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées, et il leur dit, cela suffit. Vous aurez les réponses à tout ça. Okay. J'aime bien. Oui, mais je voudrais poser la question en fait à Andy, comme elle n'a pas pu répondre aux questions, elle n'a qu'à prendre ce verset, elle n'a qu'à le méditer aussi. Pour tous ceux qui croient que le prophète est venu tuer les gens, que le Coran dit de tuer les gens, il faut lire ce verset-là. Ils n'ont qu'à écouter, ils n'ont qu'à aller dormir avec ça. Sourate 9, verset 6. Sourate 9, verset 6. Surat Tawbah, écoutez très bien. Voilà, je suis à la page et je lis la parole. Surat 9, le verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'ils attendent la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Tu comprends? Là, il s'agit d'un ficheur, un gars qui adore les idoles. Si demain, nous musulmans, asile, on doit lui donner à dormir, on doit lui donner un endroit à dormir pour qu'il écoute la parole d'Allah. Ça, on t'a pas lu ce verset-là? Jamais. Tu n'as jamais vu ce verset-là. Mais ça, c'est dans le Coran.